Salut les guitaristes, aujourd'hui je vous propose de parler d'un accessoire absolument indispensable. On en a beaucoup parlé dans les commentaires ou dans des messages qu'on m'a envoyés, on m'a demandé ce que j'utilisais en haut de mon manche et à quoi ça servait. Donc je vais vous expliquer ça aujourd'hui et je vais vous expliquer comment je suis arrivé à utiliser ce type d'accessoire. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps et on va revenir à la première fois où j'ai enregistré en studio. Et sur l'enregistrement des solos, j'utilisais un chiffon de ce type que je nouais autour de mon manche de guitare. Hop, je faisais un petit nœud et ça me permettait d'étouffer mes cordes pour avoir un jeu plus propre quand je jouais en solo. Donc super pratique, hein, ça évite d'avoir des résonances qu'on ne souhaite pas avoir et bah c'est super efficace parce que là le chiffon est très large et va étouffer absolument tous les sons. L'inconvénient, c'est que je ne vais pas pouvoir l'utiliser en live parce que je me vois mal venir en concert avec un espèce de chiffon énorme jaune sur ma guitare, sachant qu'en plus j'ai souvent des rythmiques à jouer et que dès que je vais avoir besoin de mes cordes à vide, et bah ça va plus être possible si j'utilise un chiffon de ce type. Donc petit à petit j'ai abandonné le chiffon, je me suis mis à jouer sans. Quand j'enregistrais sur ordi ou pour bosser, pour des solos, etc. J'ai ensuite découvert un guitariste qui s'appelle Andy James, un super guitariste anglais, style shred, metal, etc. qui lui aussi utilisait des élastiques de cheveux qu'il mettait sur sa guitare. Quand il était en solo, il allait le monter sur le manche de sa guitare et quand il est en rythmique, il le descend. Donc j'ai décidé d'essayer ça déjà. Et effectivement, c'est super efficace parce que quand je le descends en bas de mon manche, j'ai quand même mes cordes à vide qui sonnent. Si j'ai besoin d'avoir un passage solo un petit peu plus technique, je vais le monter sur le haut de mon manche. Ça va me permettre d'étouffer les résonances dont je ne souhaite pas. Donc, ça n'étouffe pas toutes les résonances, on l'entend bien, hein, mais ça atténue quand même fortement. Donc, dès que je suis sur des passages en tapping, dès que je suis sur des passages en legato, ça va être super pratique. Parce que ça me permet d'étouffer les résonances que je ne souhaite pas. Donc ça, c'est super facile à trouver, hein. Vous allez à n'importe quel supermarché ou vous demandez à votre copine. En général, elles ont des élastiques de ce type qui font très bien l'affaire. Le plus épais, le plus large est le mieux parce que ça permet d'étouffer le plus de son. Après, il faut les changer assez régulièrement parce que c'est des élastiques qui sont pas très durables. Et comme ils sont sous tension en permanence quand ils sont autour de votre manche de guitare, ils vont s'user assez facilement et ils vont perdre en efficacité. Deux inconvénients, déjà c'est que si je suis en son clean, eh ben, je vais avoir besoin de mes cordes à vide qui résonnent au maximum et à ce moment-là je vais l'entendre. Donc si je veux passer en son clean, hop, je suis obligé de basculer de l'autre côté de mon sillet et là ma résonance va être complète. Quand je suis en rythmique, ça fait parfaitement illusion, en fait la résonance est un tout petit peu atténuée mais on l'entend pas avec la distorsion. L'autre inconvénient, c'est comme je le disais tout à l'heure, on se retrouve quand même avec encore beaucoup de sons, en particulier des harmoniques. Donc là, j'ai pris soin de le mettre ici, mais voilà, il suffit que je le mette sur une frette où on va avoir des harmoniques qui sonnent facilement, et bien ça va se mettre à sonner, à résonner un peu trop. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai vu des guitaristes qui utilisaient un autre accessoire qui était développé spécifiquement pour cet usage. Donc ça s'appelle le Fret Wrap de Groove Gear, je vous montre ça tout de suite, je passe sur une autre guitare où j'en ai installé un. Ok, donc là je suis sur ma Vigier GV qui est elle équipée d'un Fret Wrap. Je vous montre comment ça marche. Donc en fait c'est un petit scratch qui va me permettre de l'adapter selon la taille de mon manche de guitare. Il existe plusieurs tailles, il faut faire gaffe quand on les achète, parce que selon la largeur de votre manche, tous les frets de wrap ne vont pas être adaptés. Donc renseignez-vous bien avant d'en acheter. J'en ai un par exemple qui est trop grand, que je peux pas utiliser, qui me sert absolument à rien, donc que je vais certainement revendre sous peu. Donc vous l'attachez autour de votre manche de guitare, hop. Et là on voit que la surface couverte est beaucoup plus large que celle de mon simple élastique. Donc j'ai toujours mes cordes à vide qui résonnent parfaitement et dès que je veux passer dans les aigus, hop, je le fais glisser et ça y est,
je me mets à avoir un jeu où on étouffe beaucoup. Et là, si vous écoutez, il y a beaucoup plus d'harmonies qui sont étouffées qu'avec le simple élastique. On n'est pas encore sur du 100%. Si je veux vraiment du 100%, je reviens à mon gros chiffon que j'utilisais tout à l'heure. Mais là, j'ai le gros de mes résonances qui sont étouffées. Très pratique en live, je peux basculer d'un son rythmique à un son solo sans aucun problème. Ça me demande juste d'avoir ce petit geste là, un peu comme si je switchais entre deux micros. Donc c'est super pratique et je suis en train d'équiper toutes mes guitares avec des Grove Gear. Donc ça coûte une vingtaine d'euros, après à vous de voir si vraiment ça vaut le coup de prendre le Grove Gear ou si l'élastique vous suffit, puisque ça reste un peu cher pour ce que c'est, hein, il faut le dire quand même. J'ai, après discussion avec certains guitaristes, rencontré des personnes qui s'opposent un peu à ce type de système, parce qu'ils vont me dire « Oh Ronan, c'est de la triche, faut pas que tu utilises ça, après tu sauras plus jouer proprement. » Alors déjà, moi, quand je bosse chez moi, il est toujours en bout de manche, et je m'entraîne à être le plus propre possible. Par contre, sur du live, je l'utilise systématiquement, ça me permet de gagner un peu en propreté. Sur du studio, pareil, je vais utiliser le Grove Gear maintenant. Et je trouve ça un peu bête de parler de triche sur la guitare, parce que c'est pas du tout un sport de compétition de jouer de la musique. Et à partir de là, il n'y a pas de triche à avoir. L'important, c'est de jouer la musique qu'on veut le plus proprement. À ce moment-là, l'accordeur, c'est aussi de la triche. C'est-à-dire qu'on devrait l'accorder à l'oreille ou on devrait même pas accorder les instruments parce que sinon, c'est tricher. Donc pour moi, c'est exactement le même débat et en fait, on ne devrait pas avoir de discussion là-dessus. C'est-à-dire que si vous souhaitez utiliser ça parce que vous y voyez un intérêt, eh bien, utilisez-le. J'espère que ça vous aura renseigné sur le sujet, que ça aura répondu aux questions qui m'ont été posées. On va continuer à se voir pour d'autres vidéos sur la guitare. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. On se dit à très bientôt pour d'autres sujets et reprises de solo sur la guitare. Ciao !